va pas, c'est tout. Hey, bonjour, monsieur Stanton. Jennifer, tu n'aurais jamais dû leur dire que tu avais le droit d'y aller. Et puis, écoute, chérie, il y aura bien d'autres concerts. J'espère que vous n'êtes pas encore en train de discuter de ça. De toute façon, ma décision est prise. Mais c'est pas juste. Salut, mon bébé. Dépêche-toi, monte, on est en retard. Brad, je peux pas. Je suis désolée. Non, pas encore, c'est dingue. Tu m'avais dit que t'avais le droit. Oui, mais ça a changé. Des billets à $40, mais avec qui je vais y aller maintenant? Écoute, c'est pas de ma faute, je croyais que mon père allait accepter. Oui, c'est toujours la faute de ton père. J'en ai assez, ce coup-là. Si je peux jamais te voir, c'est pas la peine qu'on essaie de sortir. Mais on pourra demain soir, je te promets. On en parle demain, après les cours. Quand tu seras d'accord avec ton père, tu me téléphones. Au revoir, maman. Jennifer, attends une seconde, et ton petit déjeuner? Ah, oh, j'ai pas le temps, je suis en retard. Jennifer, qu'est-ce que tu portes là? Des vêtements. Ne fais pas l'imbécile, remonte et change-moi ça. Maman! Bill, elle te dit qu'elle est en retard. Eh bien, elle n'a qu'à se dépêcher. Salut, salut. Au revoir, madame Winter. Je suppose qu'on fait un petit arrêt. Je veux pas avoir l'air d'une nonne. Alors raconte-moi tout ce qui s'est passé hier soir. Avant le concert, pendant le concert et après le concert. J'y suis pas allée. Quoi? Mais je croyais que c'était d'accord. Il a changé d'avis. Ça. Qu'est-ce que Brad a dit? Il a dit qu'il préférait rentrer. Non, c'est pas vrai. Et qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Pareil, c'est pas juste. Ça fait combien, là? $10. Oh, il manquait plus que ça. Où est mon porte-monnaie? Tu l'as laissé chez toi? C'est toujours à moi que ça arrive, ça. Dis, tu as un peu d'argent? Oui, mais pas assez. Oh, écoutez, je croyais l'avoir. Je vous jure, j'ai dû le laisser chez moi. Vous inquiétez pas, vous me paierez plus tard. Vous êtes sûr? Oui, du moment que vous me promettez de repasser. Ah oui, dès aujourd'hui, c'est promis. D'accord. Déguisé, garagiste? Non, c'est Nick Ryan, il était dans la classe de mon frère et il sort de tôle. Bah oui, et pour quelle raison? Je sais pas vraiment. On dit qu'il s'est battu avec un mec. Faut qu'on soit sympa avec Jennifer. Où est-ce qu'elle est? Près de la machine à soda, je crois. Pourquoi? On dirait que c'est Matt, c'est sa classe. Ah, oh, c'est pas vrai, faut que je lui dise avant qu'elle le découvre elle-même. Et tu veux venir? Ah ouais, ça je le veux vraiment, je suis trop. Moi aussi, je suis super. Brad, salut. Tu m'en veux toujours? Je croyais avoir été pourtant clair. Mon billet d'entrée, je vais te le rembourser. Non, j'en ai rien à foutre de ça. Écoute, on en a déjà discuté des centaines de fois. T'as jamais le droit de sortir, ou alors pas au-delà de 10 heures. Ça commence à bien faire. Je vais parler à mon père, je sais que ça va s'arranger. Non, 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 ça aussi, tu l'as déjà dit. Tu as tout essayé, ça n'a rien changé. Mais on peut sortir ce soir, je te le promets, à la fête chez Marc, t'es d'accord? Brad va y aller avec moi. Écoute, c'est bien marré tous les deux, mais c'est fini. Thank you.
Allez, c'est parti, on s'assoit. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Toi aussi, Emma. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de finir votre livre hier soir, parce qu'on va voir ce que vous avez retenu. Allez, les bouquins par terre. Vous prenez un feuillet et vous passez le reste aux autres. Monsieur, on vient de vous apporter ça. Alors, Jennifer, il faut que tu ailles au bureau. Salut. Écoutez, je voulais pas vous... Enfin, j'espère... Non, que... ça tombe bien, ça m'évite de faire une interro. Moi aussi, j'ai fait des études ici. Ça me rappelle plutôt de mauvais souvenirs. Ah oui, au fait, j'allais oublier. Voilà. Il était allé se loger sous le lavabo, dans les toilettes. Mon portefeuille, ça c'est gentil. Vous en aurez sûrement besoin. Là, vous me sauvez la vie. 10 dollars, c'est ça? Ah oui. Merci. Je voulais aussi vous dire autre chose. Je voulais savoir si vous vouliez venir à la fête ce soir chez mon copain Marc. Il fait une fête... Marc Pearson? Oui, vous le connaissez? Vous venez alors? C'est gentil, mais je crois pas, non, c'est... Bon, bah tant pis, je voulais juste vous inviter, mais... Il faut que je reparte bosser. Vous savez l'heure? J'ai pas de montre. Non, je parle de la fête de ce soir. Ah, je comprends. À 9h. Ouais, 9h. C'est d'accord. Ouais? Je viendrai vous chercher. Non, je préfère pas. J'irai moi-même. Mes parents le détestent quand je sors pendant la semaine. Bon. 9h? 9h30? 9h. Parfait. Alors, à ce soir. Waouh, Madame Stanton, ça c'est vraiment génial. C'est pour votre exposition? Non, c'est une surprise pour le père de Jenny. C'est notre anniversaire de mariage. T'as vu ça? Regarde, moi je trouve qu'elle te ressemble vraiment. Oh, maman, est-ce que je peux aller chez Karen ce soir? On a une belle interro demain. Tu veux travailler ce soir? Est-ce que ton père est d'accord? Il a dit que je devais travailler plus. Ah oui, mais... Écoute, je préfère que tu lui téléphones et que tu lui demandes. Papa, c'est moi. Oui. Écoute, on a un examen demain et ce soir, je peux aller chez Karen. Trish sera là? Oui, sa mère sera là. Et maman est d'accord. C'est quoi comme examen? Un milieu de trimestre. En quoi? En histoire. Quelle période? La Révolution française. D'accord. Très bien. Et tu restes chez Karen? Oui, t'inquiète pas. T'as intérêt. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Au revoir. C'est ça, au revoir. Toi, avec ton journal, tu me fais penser à Anne Frank. Alors, t'as déjà écrit des trucs sur moi? Ah, oh. Allez, ça va s'arranger. Pourquoi est-ce que Brad a fait ça? Allez, viens, faut se préparer pour la fête. D'accord? Ça fait une semaine que je travaille au garage maintenant. Et je suis désolée, je savais pas que tu venais de changer dans les toilettes. Mon père n'aime pas tellement mes vêtements. Il voudrait que je sois déguisée en nonne. Ça te va bien. J'aime bien tes fringues. Merci. On fait une partie? Ouais. Alors, on met la numéro 11 dans le trou de droite. D'accord. Eh, ouais, attends-nous quelques deuxièmes. J'ai été dans sa voiture, j'avais l'impression de trahir Jenny. Je croyais pas qu'il sortirait avec elle après tous les mots d'amour qu'elle a écrits aux autres garçons. Oui, mais elle a dit que c'était pas vrai. Ah, me fait rigoler, tiens. Lui, il doit la croire. Ça va vraiment être très intéressant. Ouais. Et après ça, ça commence à aller de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu lis? Un bouquin que j'avais sur l'histoire de France. Jennifer sera contente de pouvoir jeter un coup d'œil. Bill, je t'en prie, ne fais pas ça. Bonsoir, Trish. C'est Bill Stanton. Très bien, et vous? Je peux parler à Jenny? Bill? Quelle petite fête. Oui. Non. J'ai oublié, ça m'est sorti de la tête. Hein? Non, je sais où c'est, merci. Elle devait travailler. Ah!
Désolée, je savais pas que tu attendais la place toi aussi. Non, en fait, c'est toi que j'attendais. Je croyais que tes parents voulaient pas que tu sortes en semaine. Je t'ai dit que c'était arrangé. Et t'allais me faire la tête pendant toute la soirée? T'es avec Emma. Et toi avec... Avec un ami. Écoute, je suis désolé pour ce matin. Je voulais pas te faire de la peine. Ça va, c'est... Allez, on rentre. Monsieur Stanton, on était juste en train de... On rentre. Tanner, c'est que tu fumes, Tony? Parce que tu as menti. Moi, je dis que c'est pas juste. Tu passes tout ton temps à me suivre, à m'espionner. Moi, j'en ai marre, tiens. Tant que tu vivras dans ma maison, tu te plieras à ma loi, à mes règles. Non, mais pourquoi tu cherches toujours à m'humilier? Pourquoi je ne peux pas être comme toutes les autres? Non, mais tu te fiches de moi. Tu crois que je ne sais pas ce qu'on fait dans ces fêtes? Non, tu n'en sais rien et tu devrais avoir honte de ce que tu as fait. Jennifer, je te dis... Chérie, je t'ai déjà dit de ne pas élever la voix devant ton père. C'est parce qu'on s'inquiète qu'on est comme ça. Non, c'est n'importe quoi. Quoi que je fasse, vous vous posez des questions. Vous dites que je fais des bêtises, c'est même pas ce que vous attendez de moi. Jennifer, je n'ai pas fini de parler. Arrête, laisse-la tranquille. Désolé d'arriver sans prévenir, mais j'avais pas ton téléphone. Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'avais oublié de me dire au revoir. Tu crois que j'ai eu le temps? Oh, ton père était en colère, hein? Oui, ça fait toujours bien dans ces cas-là. Je croyais que tu voudrais plus me revoir. Oui, mais je suis là. Je suppose que tout le monde a dû parler de moi. Oh, Jenny, quelle importance ça, hein? Nick, mes parents m'empêchent toujours d'avoir des relations avec les garçons. Nous deux, ça va pas aller. T'as vu ce que j'ai fait, là? J'ai carrément grimpé jusqu'ici et j'ai failli me casser la figure. Je t'en prie, laisse-moi au moins une chance, s'il te plaît. Il faut que tu t'en ailles. D'accord, mais t'arriveras pas à te débarrasser de moi. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je suis pressé qu'on parte tous les deux en week-end. Tu sais, tes parents ont dit qu'il leur est impossible de garder Jenny. Alors, c'est foutu. Écoute, deux jours, c'est pas grand-chose. On a besoin de faire une pause, on a besoin de se retrouver, toi et moi. Laisse-lui encore une dernière chance. Pour qu'elle fasse d'autres idioties. On était bien d'accord hier. Même si ça doit... Même si ça doit nous coûter. Voilà, c'est ça. Oui, et tu as dit aussi que tu ne voulais pas refaire les mêmes erreurs que ton père. Je n'ai absolument rien à voir avec lui. Oh, je t'en prie, Bill, tu es très dur avec Jenny. Mais je n'ai pas fait la moitié de ce qu'a osé faire cette gosse. Ça suffit, arrête, tu veux. Toi, tu as été au moins 10 fois plus difficile à élever qu'elle. Je crois que tu exagères un peu, non? Allez, Bill. D'accord. Tu veux la laisser ici, toute seule? Voir comment elle s'en sort, très bien. J'espère que tu ne vas pas en profiter pour inviter tous tes amis à la maison ce soir. T'entends ce que je dis? Pas de bêtises cette fois. Qu'est-ce qu'il te dit, ma chérie? Oh, on rentrera tard samedi soir, sûrement après minuit. Ne nous attends pas, d'accord? Merci, papa. Tu regretteras pas, je te jure. Salut. Salut. C'était facile à trouver, hein? Oui, j'ai suivi tes indications. Grand-mère, je te présente mon amie Jennifer. Bonjour, madame Ryan. Elle est marrante. Ouais, viens, ma belle, viens. Tiens, maintenant, va dehors. Allez, va dehors. Viens, j'ai un truc à te montrer. C'est un Luger. Il date de la Deuxième Guerre mondiale. Il était à mon grand-père. C'est vrai, ça? Ouais. Il a été blessé à la jambe. Il n'avait plus d'armes. Il a pris celle-là sur un cadavre allemand. Elle lui a sauvé la vie. Il a tué d'autres Allemands, tu veux dire?
Bah oui, il avait pas le choix, tiens. Non, merci, j'ai l'horreur de ces trucs-là. Sûr ? Je m'en suis encore jamais servi. Je l'ai laissé comme ça dans la boîte en souvenir de mon grand-père. J'aime bien le regarder. Différent quand mes parents ne sont pas là. Nick, qu'est-ce que tu as? Je me dis que c'est vachement bien, que j'ai de la chance, tout ça est magnifique. Tu as raison. Waouh! Elle est géniale cette baraque. Elle est énorme. Je suis contente que tu sois là. Je suis tellement habituée à vivre toutes sortes de galères. Ma mère est morte le jour de ma naissance et mon père n'a jamais arrêté de me le reprocher. Un jour, il est parti et mes grands-parents se sont occupés de moi et je suis avec toi et je suis heureux. Suis-moi. Nick. Tiens, c'est pour toi. Et enfin, mais qu'est-ce que c'est? Tu pourras me donner l'heure. Non, comme ça. Je veux dire. Elle était à mon grand-père. Elle est jolie, hein? Non, t'es sérieuse? Mm-hmm. Tu veux me la donner? Oui, attends. Oh, Jenny, je sais pas. T'es sûre que. Ouais, tu l'aimes? Ouais, elle est magnifique. Merci. Mm-hmm. Je peux te dire quelque chose? Mm-hmm. J'ai fait quelques mois de prison. Aucune importance. Ah ouais? Non. Je voulais quand même t'en parler. C'est à cause d'une bagarre. L'un des types a été blessé et j'ai été condamné. Enfin, tu sais, c'est pas moi qui aurais dû y aller. Dis-moi, ça te fait pas peur que je te parle comme ça de... Non. Non? Tu sais, je me sens en sécurité avec toi. Je veux que tu saches tout de mon passé, toi aussi. C'est moi quand j'étais bébé. Sans blague. T'as l'air marrante comme ça. C'est maintenant chouette. Que tu m'as vu comme ça, plus de secret. Protégera pas cette fois, c'est terminé. Laisse-moi parler avec elle. Pas question. À partir de maintenant, plus de voitures, plus de petites fêtes. Ta mère te conduira à l'école tous les jours et tu resteras ici tous les soirs. Ça va pas, non? Nick, j'ai peur. Oui, viens me chercher.
savais comme tu m'as manqué. C'est encore rouge? Ouais, c'est rouge. Qui est-ce qui t'a fait ça? C'est lui qui t'a cogné? Bon, c'est clair. Je te laisse pas rentrer chez toi. Tu viens chez moi. Ça va, ça me fait plus mal. Il a pas le droit de te faire ça. Personne n'en a le droit. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Il voudra plus jamais que je te vois. Et j'ai pas du tout envie de te perdre. Il n'est pas question que tu me perdes. On va aller chez toi tous les deux. Je discuterai avec lui, il comprendra. Je lui ai déjà dit que je t'aimais, il ne veut rien entendre. Il faudra qu'il m'écoute. Il le faudra bien de toute façon. Alors, comment ça s'est passé avec Nick? Heureusement que tes parents sont pas au courant. Appelle-moi. C'est lui que tu es allé voir? Tu as de la chance que je n'en ai rien dit à ton père. Merci, maman. Oh non. Ne me remercie pas. Moi non plus, je n'approuve pas ce que tu as fait, et il a raison. On était d'accord pour avoir une conversation avant qu'il ne t'arrive ce genre de choses. Et au lieu de ça, tu l'as reçu ici, comme ça, dans ma maison, dans ma chambre, dans mon propre lit. T'es jamais de mon côté. Je le suis toujours. Et cette fois encore, je l'ai été. Enfin, tu sais pourtant que c'est moi qui ai convaincu ton père de te laisser ici toute seule. Tu as beau t'amuser à peindre une belle petite famille, c'est pas pour autant qu'on est plus heureux. Tiens, c'est amusant. Je crois que je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais égoïste. Je viens de le voir, là, ce soir. Je trouve ça très décevant. Tu n'as aucun respect non plus. Il n'y a pas que ça que tu ne vois pas. Je crois que tu ne vois pas la moitié des choses qu'il fait tous les jours. Pourquoi? Pourquoi tu ne dis rien? Ne me pousse pas trop loin. Ça ne marche plus. J'en ai plus qu'assez de te protéger à longueur de temps. Tu veux n'en faire qu'à ta tête, c'est très bien. Parce que moi, c'est fini. J'arrête. Bonsoir, est-ce que je pourrais discuter avec vous et votre mari, s'il vous plaît? Je ne crois pas que vous ayez envie d'entendre ce que nous aurions l'intention de vous dire. Je vous demande juste quelques minutes, s'il vous plaît. Croyez avoir été clair. Monsieur Stanton, je sais que vous êtes en colère pour ce qui s'est passé hier soir. Je suis désolé, je vous présente mes excuses, mais vous devez comprendre une chose, c'est que j'aime votre fille. Je me fiche de ce que vous pensez ou de ce que vous ressentez. Votre petite aventure avec ma fille est terminée. Non, pas question, c'est pas terminé. Je suis venu aussi vous dire que vous devez arrêter de la traiter comme vous le faites. Je vous préviens que ça suffit comme ça. Quoi? Non, attendez, que vous vous menacez? Exactement. Chérie, rentre. Bill, non, je crois que... Tu rentres et c'est tout. Écoute, petit rigolo. Tu sais que ma fille n'a que 17 ans. Tu sais ce que ça coûte un viol de mineur. Vous allez pas faire ça? Continue et tu verras. Maintenant, fais demi-tour et tire-toi d'ici. Avant que je te casse les dents. D'accord, mais vous m'empêcherez pas de revoir Jennifer. C'est ça, petit rigolo. Salut, c'est Jennifer. J'aime bien savoir qui a appelé, alors laissez-moi un message. C'est Nick. Je veux que tu saches que je me fiche des menaces de ton père. Je ne te quitterai pas, je ne peux pas. Il n'a pas le droit de me traiter comme ça. Je serai toujours avec toi, je ferai ce qu'il faudra pour ça. Je t'aime. Au revoir. Allô? Salut, c'est Bill. Comment c'est déjà le nom du type qui est chez les flics? Non, un inspecteur. Ah oui, Baker. Oui, non, je t'expliquerai. Bill, qu'est-ce qui se passe? Rends-moi un service, téléphone à Jenny, et dis-lui d'annuler tous mes rendez-vous du matin, d'accord? C'est ça, merci. Est-ce que tu voudrais me dire ce qui se passe?
Jackson, je comprends, je suis moi-même père de famille, mais je vous dis que personne ne l'a vu faire ça. Hier, il m'a menacé. Maintenant, ma voiture est amochée. Ce n'est pas une preuve. Nicolas Ryan, condamné pour coups et blessures, a passé un an à Davenport. En plus, il a déjà fait de la tôle. Asseyez-vous. Écoutez, ma voiture n'est pas la chose la plus importante. Je pense que ce type a carrément abusé de ma fille. Elle vous a dit ça? Elle ne l'a pas avoué, mais je non, pense non, que... attendez, attendez. Là, vous me parlez de viol. C'est une accusation très sérieuse. Si elle l'admet, si elle porte plainte, alors... Écoutez, inspecteur, je ne veux plus en entendre parler. Je veux que ce type nous fiche la paix. Oui, je comprends. Alors, je vais demander d'envoyer une patrouille. Peut-être que ça lui filera la frousse. Je vous remercie. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Qu'il avait peut-être abusé d'elle. Il a dit qu'il allait le faire surveiller. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. On devrait peut-être l'envoyer quelque part pendant quelque temps. Chez tes parents, par exemple. Je sais ce qu'il faut faire. S'il essaie encore de la voir, s'il essaie de lui parler, s'il vient rôder autour de cette maison, je te jure que cette fois, je trouverai des preuves. C'est fini, cette petite aventure. Terminé. T'aurais dû entendre ce qu'ils ont dit. Il faut que je me casse d'ici. Qu'est-ce que tu nous joues? Les évadés d'Alcatraz? Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Ils veulent le renvoyer en tôle. T'as vu la bagnole de ton père? C'est plus qu'une épave. On sait pas qui a fait ça. Karen, il faut que je me tire d'ici, il faut que j'aille lui parler. Non, pas question. Tu crois pas que t'as déjà assez d'ennuis? J'en ai pas pour longtemps. Mais t'es dingue! Ta mère pourrait te voir, et si ton père revenait, t'imagines un peu? Mais je croyais que je pouvais toujours compter sur toi. Pourquoi tu me dis ça? Parce que t'es ma meilleure amie. Alors fais gaffe, fais très attention. Et je te refaudrai ça. On a massacré la voiture de mon père. Il dit que c'est toi qui as fait ça et il est allé à la police. Ouais, je suis au courant. Les flics sont passés. Je te jure que j'ai rien à voir dans ce coup-là, Jennifer. Je veux qu'on reste ensemble, c'est tout. C'est pas parce que je me suis disputé avec ton père que je vais faire une bêtise pareille. Moi, je suis pas comme ça. Alors, on fait quoi? Attends-moi dans la voiture. J'arrive dans une minute. Jennifer. Jennifer, tu es là? Bonjour, Monsieur Stanton. Nous... On s'est arrêté une petite minute. J'ai égalisé les cheveux de Jenny et elle se les lave maintenant. Où est ta voiture? Je ne l'ai pas vue dehors. On m'a déposé. D'accord. Je vois que vous avez fini de travailler, alors tu peux peut-être rentrer chez toi. D'accord. Ils veulent m'envoyer chez mes grands-parents, je ne vais plus jamais te voir. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas y aller, je veux qu'on reste ensemble. Je ne sais pas quoi faire. Viens voir. T'as encore frappé? Il est malade, ce mec. Nick. Il a dit à la police que tu m'avais violé. Il est devenu complètement fou. Est-ce que je t'ai violé? Non, là, non. Pourquoi il raconte des trucs comme ça, Jennifer? Il est tapé, ce mec-là. Moi, je dis qu'il est dingue. Il a des copains chez les flics. Il a dit qu'il allait se débrouiller pour que tu repartes en tôle. Il en est pas question. J'irai pas là-bas, non. Tu as vu comme il est? Il fait tout ce qu'il veut. C'est pas croyable. Dire une chose, tu vas te tirer et venir habiter chez moi. Je veux plus jamais que tu retournes chez toi, tu entends? Il nous retrouvera et il nous tuera, j'en suis sûre. Il n'abandonnera pas tant qu'il ne nous aura pas séparés. Mais j'en ai assez, je refuse de vivre comme ça. Je sais que t'en as assez. Un jour, tu trouves vraiment une raison de vivre, il y a un type qui se pointe et qui veut tout ficher en l'air. Alors ça, c'est pas juste. Et je veux pas te perdre. Ça n'arrivera pas, je vais... Je te promets que ça n'arrivera pas, je ferai ce qu'il faudra.
Mais dis donc, tes fringues, c'est la classe. J'aurais jamais cru qu'un jour je verrais Jennifer Shanton vêtue comme une poupée, ayant fait ses devoirs avant même qu'on les lui donne. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es enfermée chez toi? Les filles, plus que 10 jours et après, je pourrai enfin retrouver ma liberté. Je me tire de chez moi, c'est juste. Oui, on va faire la fête, ce serait génial. Ouais, l'Underground. Wesley connaît le vide que je fais. Non, attendez. Dans 10 jours, quand j'aurai retrouvé la liberté, vous savez ce que j'aimerais. Ce serait une soirée bien nulle avec coussins, télé et nourriture. Et on bouffera et on deviendra très gros. Moi, je suis toujours d'accord pour vous. Alors là, c'est le vrai délire. Elles sont dingues. Je veux avoir ta voiture pendant le déjeuner. Ouais, d'accord. Tu veux que je vienne avec toi? Non, j'ai juste une petite course à faire. Je te revaudrai ça. Allez. Allez. Pas qu'on m'éloigne de toi, ça, il n'en est pas question. Ces derniers jours, j'ai cru devenir dingue. Je sais. Tu es certain que les gens croiront que c'est un vol? Ouais, il suffira de voler quelques bijoux, c'est tout. Mais comment est-ce qu'on va faire pour entrer? L'alarme se déclenche dès qu'on ouvre la porte. Ah, on n'aura qu'à passer par le balcon de ta chambre, au premier. Oui, il n'y a pas d'alarme. Je laisserai la fenêtre entrouverte au moment d'aller à cette fête idiote. Et toi, tu diras à ta grand-mère que tu es malade, d'accord? Je suis pas sûr de vouloir faire ça, moi. Il y a sûrement un autre moyen, c'est quand même insensé. Il n'y a pas d'autre moyen. Nick, jamais ça ne changera. Jamais on ne pourra être ensemble. Je voudrais que tu me jures que quoi qu'il se passe, toi et moi, on se séparera jamais. D'accord. Oui, c'est vrai. Je préférais tout arrêter. À cause de la voiture de ton père? Non, c'est parce que c'était trop compliqué. Peut-être que mes parents avaient raison. Ah ouais? Ouais, c'est ce que je crois. Cette fois, tout s'est changé. Ouais. Bon, allez, salut les filles. Au revoir, Bobby. Au revoir. Appelle-moi. D'accord. Salut, maman. Bonjour. Écoute, je sais que je mérite cette attitude parce que j'ai fait des erreurs, mais je vais me rattraper. Je te le promets. On verra. Oh, regarde ses fesses. C'est ça qui me fait penser. Il me fait penser à Nick. Bon, mais non, arrête. Nick, il est encore mieux que ça. Ce mec-là, c'est du chewing-gum. Nick est bien plus baraqué. Oh, ben ça alors. Attends, je vais voir ça vite. Oh, dis donc, on dirait que c'est Nick, hein. Jenny, tu nous as jamais dit ce qui s'était vraiment passé entre nous. Il ne s'est rien passé, c'est fini, c'est tout. Mais t'aurais peut-être pu nous en parler. Il n'y avait rien à dire. Ce mec est un sauvage. C'est peut-être un sauvage, mais il doit assurer. Oh, t'aurais aimé ça, toi, hein? Un peu, oui. Et je suis sûre que j'aurais su le contrôler. Thank you.
La voiture, c'est à qui? C'était celle de mon grand-père. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Tu vois, j'ai réfléchi, je me suis dit... On n'a aucune autre solution. Tu vas bientôt avoir 18 ans. T'auras qu'à te tirer de là et tout ça sera réglé. Mon père ne nous laissera jamais tranquilles. Tu sais très bien comment il est. Nick, regarde-moi. C'est la seule solution pour nous. Inspecteur Becker, voici l'inspecteur Daniels. Vous êtes les parents de Bill Stanton? Oui, Bill était. Je suis Rose Stanton. Et voici mon mari, Harold. Inspecteur Becker, qui a pu faire une telle chose? Certainement des voleurs. À mon avis, ils ont fait irruption vers les 3 ou 4 heures du matin, pendant qu'ils dormaient. Jennifer, je sais que c'est pas le moment, mais nous aimerions vous poser quelques questions. Oui, allez-y. Vos parents se sont disputés ces derniers temps? Non, mes parents s'adoraient l'un et l'autre. Aucun problème d'alcool, de jeu, de paris? Non, jamais. Ils étaient impliqués dans une grosse spéculation boursière, des investissements?
Non, je crois pas, non. Excusez-moi. Connaissez-vous Nick Ryan? Oui, on est sortis quelques fois ensemble. Vous n'avez pas eu de problème avec lui? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a une semaine ou deux. Vous croyez qu'il aurait pu faire ça? Nick. Inspecteur, je vous en prie. Oh, Jenny. On a relevé des empreintes sur une photo, on les a envoyées au labo. Non mais d'accord. Tu sais, je crois que je le connais, ce Stanton. Il est venu me voir il y a quelques semaines et il s'était disputé avec le gosse, là, Nick Ryan. Il disait que Nick lui avait démoli sa voiture et qu'il avait violé sa fille. Pourquoi elle nous a rien dit? Bah, t'as vu la tête qu'elle a faite quand je lui ai prononcé le nom du gosse? Elle était pas tranquille. Elle a la trouille. Ouais, je vois. Tu crois qu'elle est dans le coup, toi? La pauvre gosse, tu rigoles. Alors toi, je te jure, tu suspecterais ta propre mère. Tu ferais pareil si tu la connaissais. J'avais dit à midi, qu'est-ce que t'as fichu? Je pouvais pas m'en aller, les flics étaient toujours là. J'ai peur, Nick, ces gens-là m'ont posé des questions à propos de toi. Ah oui? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils savent que tu es venu à la maison, mais si on dit que tu n'es jamais monté à l'étage, ils pourront jamais le deviner. Écoute, nous on a fait ça parce qu'il fallait le faire. Dis-moi oui, oui, oui Nick. Oui, Nick. Et l'arme, tu l'as jetée? Oui, je l'ai jetée dans les bois, ça y est. Ils vont s'amuser à nous faire craquer, ils vont attendre qu'on fasse une erreur ou je sais pas... T'inquiète pas. Je peux pas attendre que tout soit fini. Bonjour, Nick. Inspecteur Becker, inspecteur Daniels. Vous avez une minute? Juste deux ou trois questions. D'accord, venez. Ça vous gêne si on discute ici? Non, non. Comme je vous l'ai déjà dit, on s'est vu deux ou trois fois, puis on s'est séparés. Ça, c'était il y a environ un mois. Hein? Ouais, ça fait un mois environ. Ouais? Et ça vous... Ça vous a fait de la peine? Vous avez eu des problèmes avec ses parents? Pas vraiment, son père se mettait très en colère parfois. Ouais? Ouais. Ben nous, on a eu une plainte. Il y a un mois environ. Quelqu'un avait drôlement amoché sa voiture. Avec un truc comme celui-là. J'ai rien à voir là-dedans. C'est à cause de ça que vous êtes là? Hey, d'où vient cette jolie montre? C'est un cadeau. De qui? De Jennifer. C'est vrai? Ouais. Si une fille m'avait fait un pareil cadeau, j'aurais jamais rompu avec elle. Je l'aurais épousée. C'est juste à cause de la voiture que vous êtes là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Je vais être direct avec toi. Il y a eu un meurtre cette nuit. Ses parents ont été tués. Tu sais qui a pu faire ça? Tu es allé chez eux, toi? Oui, j'y suis allé. Dans la cuisine, la salle de séjour? Oui. Peut-être même à l'étage? Non. La chambre des parents? Je suis jamais monté à l'étage dans leur chambre. Jamais? Jamais. Donc tu dis que tu n'es jamais monté à l'étage? C'est ça. C'est exactement ce que je dis. Vous en êtes sûr, madame? Excusez-moi. Vous dites que c'était la nuit dernière? Nick, mon chéri, toi, tu étais à la maison hier soir. Oui, j'étais la grand-mère. Tu te rappelles pas? Tu étais là la nuit dernière? Oui, j'étais là. Alors, il doit savoir mieux que moi. Très bien. Merci. Et voilà. Deux belles empreintes sur la photo dans la chambre. Et alors quoi? Tu devrais être content, non? Ce
Ce gosse-là, il n'a pas la tête d'un meurtrier. Ah oui. Tu crois toujours à une complicité, c'est ça? Il suffit de réfléchir. Deux gosses qui s'aiment, et l'un est du mauvais côté de la société. Roméo et Juliette. Oui, très amusant, seulement je pense que c'est à eux qu'ils ont fait du mal et pas à leurs parents. Ils auraient pu le faire, si ça avait été pour $1 million. Tout cela n'est que mensonge. Et béni soit l'homme qui a choisi de croire en notre Seigneur. Je crois en Dieu et mon âme est en paix. Il m'a permis de conduire mon troupeau jusqu'au vert pâturage, afin qu'il ne connaisse plus jamais ni la faim ni la soif, et que mon âme vive en paix. Il m'a conduit jusqu'au chemin de la loyauté. Et alors que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craignais pas le diable, car le Seigneur était avec moi. Je préparerai la table où viendront prendre place mes ennemis. Ceux qui m'ont jeté la pierre seront les bienvenus. Seigneur, je te demande d'accompagner cette famille dans sa douleur, d'écouter ses prières, de l'amener à la vie éternelle. Amen. Je sais, Jenny, mais ton grand-père et moi, nous aimerions que tu viennes vivre avec nous. J'en serais heureuse, mais on est au milieu de l'année, je peux pas quitter l'école. Madame Stanton, je vous promets que ce n'est pas un problème, on sera là, on l'aidera. Elle pourra tout nous demander. Jennifer fera toujours partie de notre famille. Et puis on la laissera jamais seule. Viens, on monte. Au fait, l'inspecteur a téléphoné quand t'étais sous la douche. J'ai dit que tu le rappellerais. Brad sera là dans 5 minutes. Dis donc, Brad et toi, quand est-ce que ça a recommencé? Je crois que c'était pas vraiment fini. Tu m'as pas rappelé, Jennifer. Je ne pouvais pas. Tu sais que c'est très dangereux. La police va arriver d'ici une minute. La police va venir ici? Oui. Pourquoi t'es habillée comme ça? Quoi? Comment il faut que je sois? Qui c'était le... Qui c'était le gars à l'enterrement à côté de toi? Mon cousin. Attends, mais à quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? À quoi je pense? Je pense à ce qu'on a fait. Et je pense que ces connards de flics n'arrêtent pas de poser des questions. On dirait qu'ils savent quelque chose. Mais c'est leur boulot. C'est comme ça qu'ils travaillent. Écoute, souviens-toi bien de ça. Quoi qu'ils disent, ils ne pourront rien prouver tant qu'on sera du même côté. Oh mince, ça y est, les voilà. Va-t'en. Je t'aime. Oh, rien, un mec que je connais, c'est tout. Vous êtes sûr de l'endroit? Oui, c'est dans les bois, près de Stephen Creek Bridge. Comment vous appelez-vous? Ça y est, t'as eu ta grand-mère? Elle va bien? De mieux en mieux, oui. Eh bien. Feel no more, I ain't running like before.
rejoindre la chambre où tu es soi-disant jamais allé. On a trouvé des bijoux dans ta voiture. La montre de la victime. Les balles ont été tirées avec ton arme sur laquelle tu as aussi laissé tes empreintes. Tu les as même pas essuyées. Nick, regarde-moi. C'est terminé. Allez, dis-nous la vérité. Il t'a tiré dessus, il t'a jeté dehors, alors tu l'as tué. Pourquoi t'as tué la mère? Elle t'a dit de t'en aller, alors t'es revenu pour lui faire éclater la tête. Tu ferais mieux de tout me dire, petit enfoiré. Tu vas être condamné à vie. Nick, il me semble que tu aimes ta grand-mère. Oui, je l'aime. Tu crois que ça lui fait rien à elle? Alors arrête donc de lui faire du mal, tu entends? Dis la vérité et ce sera fini. Je parie que c'est pas toi qui en as eu l'idée. Hein? Oui, moi je suis même sûr que c'est pas toi qui es derrière tout ça. Hein? J'ai raison, hein? C'est pas toi qui es derrière tout ça. Je voudrais que tu vois quelque chose. Tiens, jette un coup d'œil. Voilà ce que ça donne quand on tire une balle dans la tête de quelqu'un. Tu vas regarder, oui, parce que c'est toi qui as fait ça. C'est toi. Fichez-moi la paix. Dis-moi pourquoi, Nick. Je veux savoir ce qui s'est passé. Ah ben ça y est, on le tient. Avec les preuves qu'on a, on pourra faire condamner Mère Teresa. Et toi, t'es pas encore content. Les amis de la gosse disent qu'elle se battait sans arrêt avec son père. D'accord, alors on va arrêter toutes les jeunes filles d'Amérique. Et l'une d'elles dit qu'il était allé la rechercher à une fête et que ça avait été la honte. Tu trouves que c'est une relation normale entre un père et une fille? Et nous, on a un gars qui sort de prison et qui voulait se venger, c'est tout. Ouais, on verra. On verra. Nous avons arrêté quelqu'un hier soir. Qui? Nick Ryan. Nick? Il a tué mes parents? Nous avons les preuves qu'il était impliqué dans l'affaire. Vous l'avez arrêté, mais il a dit quelque chose, il vous a dit pourquoi? Vous allez rire, Jennifer. Il a dit que c'était à vous qu'il fallait le demander. Dis-moi, Jennifer, qu'est-ce que tu as? C'est Nick. Je veux que tu saches que je me fiche des menaces de ton père. Je ne te quitterai pas, je ne peux pas. Il n'a pas le droit de me traiter comme ça. Je serai toujours avec toi. Je ferai ce qu'il faudra pour ça. Je t'aime. Au revoir. J'ai eu très peur quand j'ai entendu ça. Il était devenu complètement obsédé. Il date de quand, ce message? Ça a commencé peu après l'histoire de la voiture. Vous savez de quoi je parle? Il n'a pas cessé d'appeler. Mon père lui a demandé de nous fiche la paix. Mais il a dit que si mes parents continuaient comme ça, il le paierait cher. Mon père voulait que la police s'arrête et puis... Je savais qu'il allait les tuer, mais si je parlais, j'étais certaine qu'il allait s'en prendre à moi. Jamais j'aurais dû aller dans ce garage. Pourquoi est-ce que je lui ai parlé? Ce sera tout. Je vous téléphonerai. T'es content? Je dois avouer que si cette fille est vraiment dans le coup... Elle est très forte. Ah, salut, ça va, Karen? Ça va. Je venais juste chercher mes boucles d'oreilles. J'arrive tout de suite. Ensuite, on y va. D'accord. Ça fait bizarre de revenir dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux faire de ces vêtements? Je les emporte. Comme ça, je serai jolie au tribunal. Qu'est-ce que tu as été bizarre pendant toute la journée? Je
sais pas, c'est sans doute à cause de tout ce qui s'est passé. Je crois que je suis... Je crois que je suis pas aussi forte que toi. J'arrête pas de me dire que c'est... Quand même, c'est dingue de pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Une personne qu'on connaît et qui devient tout à oui. coup... Comment as-tu pu me laisser sortir avec ce gars-là? Non, attends, je rigole. Écoute, je suis sûre que je m'en serais jamais sortie sans toi. C'est vrai, toi et Brad, vous avez été formidables, vous êtes mes amis, et à part vous, je n'ai personne d'autre. Je ne l'oublierai jamais. Jamais. Bon, allez, viens, on descend. Oui. D'accord. Vas-y, je te suis avec les autres vêtements, ça ira plus vite. Si tu veux. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche juste un papier. Quel papier? Tes parents ont fait une donation, ils ont fait une liste. Bonne idée. Tu devrais être ma secrétaire. C'est dans l'autre tiroir. T'as pas vu mes clés? Tu te souviens, t'as écrit des choses dans ton journal et puis Brad a rompu avec Emma. Qui aurait cru que ça marcherait? Je te jette dans l'eau. Là, tout de suite. C'est sûr. C'est à moi, le ballon. Tu sais, je suis bien avec toi. Ah ouais? Mmh. Moi aussi. Tu sais quoi? Quoi? Je suis fou de toi. Je sais. Comment ça? Eh oui, tu en veux? Hey. Tu te moques de moi. Attends. Karen est comme Nick, facile à tromper. Ils croient tout ce que je leur dis. Mon père dit que si je veux sortir, il faudra d'abord que je passe sur son cadavre. Pour une fois, il a raison. Nick a peur. C'est un minable. J'ai dû pratiquement tirer moi-même. Je suis sortie avec Brad ce matin. C'était encore mieux que ce que j'espérais. Maintenant, il est à moi. Je vois pas de quoi tu veux parler. Mais réfléchis, bon sang. Comment ils ont fait pour trouver ton arme avec tes empreintes digitales? Pourquoi crois-tu qu'elle t'ait donné cette montre? Qui est-ce qui a amoché la voiture de son père? Tu penses peut-être que ça m'a fait plaisir? C'est ma meilleure copine. Mais tout ce qu'elle a fait était écrit dans son journal. Écoute, j'ai pas du tout envie de croire à cette histoire. Elle a dit qu'elle avait peur parce que son père l'a cogné. J'ai vu les marques qu'elle avait sur le visage. C'était du maquillage. C'était des fausses marques. Tu veux m'embrouiller les idées? Non, ou... non. Non, je te jure que tu t'es fait avoir. Dis-moi pourquoi est-ce que toi, tu es là en tôle pendant qu'elle, elle sort avec Brad? Qui c'est ça, Brad? T'es idiot ou quoi? Ses parents l'empêchaient de faire ce qu'elle voulait. Maintenant, c'est toi qui la gênes. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Elle a écrit que t'étais un minable. Tu le sais, ça? Elle a écrit que tu refusais de tuer ses parents et que c'est elle qui a failli le faire. Comment je saurais tout ça? Elle s'est servie de nous, elle est très douée à ce jeu-là.
allez y arriver? Il suffit que je le regarde dans les yeux et il sera pris au piège et tout sera terminé. En route. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je croyais que t'avais dit que s'il nous voyait ensemble, il se poserait des questions. J'y arrive pas. Tu me manques tellement, Nick. Tu me manques toi aussi. Je veux sortir d'ici. Où est-ce qu'ils en sont de leur enquête? Ils ont trouvé le Luger et il y avait mes empreintes dessus. C'est impossible, voyons, j'ai tout effacé. Ils disent que j'ai volé la montre de ton père et qu'ils ont trouvé des bijoux dans ma bagnole. Tout ça, c'est des histoires. Tu leur as parlé? Non, j'ai rien dit, c'est pour ça que je comprends rien du tout. Alors continue à taire, ils n'ont pas de preuves. On va bientôt se retrouver. Jennifer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton père t'a cogné. C'est la vérité. Pourquoi tu dis ça? Karen, elle est venue ici tout à l'heure. On a discuté et je lui ai dit que c'était faux tout ça. Elle disait qu'elle l'avait lu et que ton père... Elle avait lu quoi? Elle a dit qu'elle avait lu ton journal. Et que ton père ne t'avait jamais battu. Mais moi, j'ai dit qu'il t'a battu, oui, ça j'en suis sûr. Et c'est... Enfin, c'est bien pour ça que toi et moi, on a fait ça. Quoi? Qu'on a tué tes parents. Oh. Je sais pourquoi tu les as tués. Chut, calme-toi, le gardien va nous entendre. Parce que tu es dingue. Tu te comportes comme une bête. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as tué mes parents, espèce de salopard. Tu vas être condamné, j'espère que tu vas en crever. À quelque chose. Karen est vraiment sympa, mais il est temps que je rentre chez moi. Chez toi? Tu veux dire, chez tes parents? Oui, c'est une grande maison, il y a énormément de place. Ah, je sais pas, Jean. Ça va pas te faire drôle de vivre là toute seule? Tu pourrais habiter avec moi. Ce serait amusant, non? On serait tranquille, personne nous dirait ce qu'on doit faire. J'aimerais vraiment qu'on soit ensemble, toi et moi. Elle a dit qu'elle avait la trouille. Et elle a dit aussi que ton père arrêtait pas de la battre. J'ai décidé de m'en mêler parce que... Je croyais... Enfin, quand je les ai vus, là, dans le lit, je me suis dit que jamais j'aurais le courage de les tuer. Mais elle a réussi à me convaincre qu'il n'y avait aucune autre solution. Je voulais pas les tuer, moi. Je vous le jure, je voulais pas faire une chose pareille. Désirez-vous ajouter autre chose? Non, monsieur, j'ai dit la vérité. Mais alors, moi, je voudrais comprendre. Maintenant, toi, tu dis que Jennifer voulait tuer ses parents, qu'elle a prévu le meurtre, et qu'elle a pratiquement appuyé sur la détente pendant que toi, contrairement à ce qui a été prouvé, tu es resté là tranquillement comme si tu assistais à un spectacle. C'est ça? J'ai appuyé sur la détente, c'est vrai. Mais pour le reste, moi, je répète que c'est elle qui en a eu l'idée. Pourquoi tu nous dis ça maintenant? Parce que je viens de comprendre que je me suis fait avoir. Ah, t'as compris que tu risquais ta vie, alors maintenant tu te mets à accuser la victime. Écoutez, Nick est ici pour dire la vérité. Il est même prêt à vous prouver que Jennifer a menti. Elle avait un journal dans lequel elle a écrit absolument tout. C'est-à-dire qu'elle a confessé son meurtre. Et où est ce journal? Son amie Karen sait où il est, vous devez vous adresser à elle. Fais attention, Nick, je te signale que pour l'instant, c'est toi l'assassin. Si tu veux t'amuser avec moi, je te jure que tu te gourres sérieusement. J'ai pas l'intention de me moquer de vous ni de qui que ce soit. Je vous répète que c'est Jennifer Stanton qui m'a embarqué dans cette histoire. Karen, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Je veux que tu participes. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'en doutes bien, non? J'ai eu le plaisir de lire ton journal. Tu as lu mon journal? Ouais. Et la police va le lire, elle aussi. Mais c'est personnel, ça regarde personne ce qu'il y a dedans. Mais c'était tes parents, Jenny. Quoi? Mais pourquoi tu me dis ça? Casse-toi. Tout de suite. Karen, attends. Je croyais qu'on était amis. Voyons, explique-toi. Non, c'est fini. Tu es en train de faire une belle petite erreur. Thank you.
Vous allez me dire ce qui se passe? Ils ont trouvé le journal? Ils l'ont trouvé, oui. Bon, et après, ils l'ont lu? Oui, ils l'ont lu. Qu'est-ce qui était écrit? Vous allez peut-être me le dire. Nick, dans le journal de Jennifer, on trouve non seulement les preuves de tout ce dont vous êtes accusé, mais il y a également tous les mots. Attendez une minute. Votre comportement. Vous êtes sûr que c'est le journal de Jennifer? Oui. Les coups portés sur la voiture. Mais c'est quoi ce mensonge? C'est incroyable, ça. Ce n'est pas un mensonge. Si, c'en est un. Je pense que quelqu'un a menti à propos des informations. C'est ce que les flics ont lu, et c'est ce que j'ai lu moi aussi. Alors vous vous êtes gouré de journal. C'est pas celui de Jennifer. Nick, je ne sais pas ce que Karen vous a dit, mais le fait est que si la police décide de présenter ce journal au tribunal... S'ils décident de le présenter, ça donne quoi? Ce sera terminé, Nick. Ce sera fini, vous n'avez aucune chance. Nick, je te jure, c'est pas ce qui était écrit. Karen, arrête ton cirque, tu veux? Vous avez manigancé ce coup-là toutes les deux. Vous me prenez vraiment pour un idiot? Hein? Je vous ai fait confiance, j'ai cru tout ce que vous me disiez. Et maintenant, vous êtes contente? C'est elle qui a tout changé, elle a dû tout réécrire. Je suis sûre que c'est pas le même journal. Moi aussi, je lui faisais confiance. Je trouverai le vrai journal, j'abandonnerai pas, je te le promets. Une question, où voulez-vous en venir? Un type a tué les parents de votre ami. Vous lui dites que c'est elle qui l'a poussé à faire ça. Vous lui donnez un journal qui accuse le type. Et maintenant, voilà que c'est une balle qui a disparu de la circulation. Vous allez où comme mais ça? Non, enfin, pourquoi je raconterais des histoires? Ça, j'en sais rien. Mais il y a peut-être une raison.
Voici justement ce qu'on a lu dans le journal. Je savais que Nick devait assurer, moi j'aurais su contrôler un mec comme ça. Ça vous rappelle rien? Je sais ce que j'ai lu. Et je témoignerai pour Nick. Ça marche pas comme ça. Écoutez, je vais vous donner un petit conseil. Arrêtez les frais avant que je vous fasse coffrer pour obstruction à la justice. Bonne nuit, Karen. Avez-vous essayé de rompre votre relation avec Nick Ryan? Oui, j'ai essayé de rompre. J'ai essayé. Jennifer, je sais que ce n'est pas facile, mais pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Nick a été très en colère. Il est venu chez moi et là, il s'est battu avec mon père. Il n'arrêtait pas de hurler et de le menacer. Et cette nuit-là, j'arrivais pas à dormir. Alors, j'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai vu Nick qui était toujours là. Il me surveillait. Il est resté et... Le lendemain matin, la voiture de mon père était toute abîmée. Monsieur le juge, elle est tranquillement assise et tout ce qu'elle dit là, tout ce qu'elle dit est faux. Monsieur Ryan, encore un Jennifer, mot et je vous fais expulser. Pourquoi est-ce que tu racontes des mensonges? Pourquoi tu dis pas simplement la vérité? Monsieur l'avocat. Elle vous dit pas la vérité. Oui, monsieur Ryan, elle me dit je pas vais être tout. Obligé de pourquoi vous faire tu dis pas ce que tu sais, Jennifer? Tu es une menteuse. Et c'est ensuite que Nick vous a parlé de son arme. Oui, il avait une arme, un pistolet allemand, je crois. Il m'a appelé, il m'en a parlé. Il disait qu'il le laissait toujours charger. Je voulais le dire à la police, mais j'avais très peur de lui et je ne savais pas ce que je devais faire. Tu as tué mes parents, tu as tué mon père et ma mère. Salut. J'ai entendu dire que t'avais eu des ennuis à cause de moi. Je suis désolée, j'ai tout essayé. Je sais. Ce qui est dingue, c'est que j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu en arriver à faire ça. Tu lui faisais confiance, comme tout le monde. Mais j'ai chargé l'arme, je suis entré dans leur chambre. Je sais pas à quoi je pensais ce soir-là. Il y a sûrement un moyen. Il doit y avoir une solution, quelque chose. Tu vas t'en tirer comme ça, hein? Hein, tu rêves. Il n'en est pas question. Et je t'ai dit que si tu voulais plus me voir, toi, tu te crois vraiment intelligente, hein? Je tue mes parents, je détruis la vie de Nick et je peux vivre heureuse. Je sais pas si t'es si intelligente que ça. Il y a sûrement un truc que t'as oublié. Et moi, je vais le trouver. En parlant de trouver quelque chose, il y a peu de temps, j'ai trouvé cette jolie balle et... Et je me suis dit que ce serait pas mal si les flics s'apercevaient que cette balle a bien été tirée avec l'arme du crime et s'ils décidaient de relever les empreintes, lesquelles trouveraient-ils d'après toi? Ils se posent des questions à propos de toi, Nick. T'es cinglé. Alors ne joue pas à l'idiote avec moi. Les membres du jury, après avoir délibéré, ont jugé que l'accusé était coupable. Ils estiment qu'il a délibérément prémédité puis accompli le meurtre de M. et Mme Stanton. Le rapport de sentence sera présenté le 21. La sentence sera mise à exécution le 28. L'accusé peut regagner sa cellule. Veuillez vous lever.
que c'est elle qui a tout fait. Brad, tu ne m'as donné aucune nouvelle. J'étais dans le coin. Je serais contente de te voir ce soir, d'organiser une petite fête. Ce soir, j'en sais rien. Maintenant que c'est fini, j'ai vraiment envie de voir mes véritables amis. Il faut que j'y aille. Mais alors tu viens ce soir? N'oublie pas, hein. Après le bip, c'est à vous. Brad, salut. C'est pas trop tard? Bien sûr que non, j'allais téléphoner, je croyais que tu avais oublié. Il y a personne? Où sont tes grands-parents? Ah oui, ils sont venus cet après-midi et puis tout le monde est parti. Oh, sans blague. Oh, finalement, je préfère qu'on soit seul. Moi aussi. Ça a dû être une jolie petite fête. Je crois que t'as le droit de t'amuser maintenant. Merci. Tout à fait d'accord. Ah ouais? On va aller faire un tour. Viens, viens avec moi. Jenny, je sais que j'ai pas été là ces derniers jours, mais j'en suis désolé. Je sais que t'avais besoin de moi. C'est pas grave. On dirait vraiment que tous ceux qui étaient autour de toi t'ont lâché. D'abord tes parents, ensuite Nick, et même ta meilleure amie. Tout ce que tu voulais, c'était qu'on soit ensemble tous les deux. Ça n'a pas été facile. Jenny, je savais que tes parents te rendaient la vie impossible. Tout le monde s'en apercevait. Et ce soir, quand j'ai repensé à tout ça, à tout ce qu'ils nous ont fait, ils faisaient tout pour pas qu'on se voie. Et là, j'ai commencé à comprendre. Comment ça? Karen m'a dit ce qui s'est réellement passé. Oh, Brad, tu sais qu'elle était... T'inquiète pas, je suis pas là pour te juger. Je comprends pourquoi t'as fait ça. C'était pour nous, n'est-ce pas? Qu'on soit enfin ensemble. Mais Brad... Tu voulais qu'on s'en sorte. Alors t'as fait tout ça pour nous. Tu veux dire... Tu crois que... Quand j'ai su ce que t'avais fait... Je m'en suis voulu de t'avoir fait autant souffrir. Tout ça, c'est fini maintenant. Je sais. Mais quand je pense que t'avais plus confiance en moi, que t'avais mal à cause de moi, j'aurais sûrement pu t'aider si tu m'avais tout dit. Maintenant qu'on est là tous les deux, promets-moi que plus jamais nous cacherons des choses. Je veux que tu aies confiance en moi. Bien sûr que j'ai confiance en toi. Ce qui est vraiment dingue, c'est... de voir tout ce que t'as fait pour éliminer tous ceux qui nous gênaient. C'est incroyable et c'est pour ça que je t'aime. Je l'ai fait pour nous, Brad. Pour qu'on puisse être heureux. Comme maintenant. Mais qu'est-ce... Oh non! Pourquoi t'as fait ça? T'avais promis qu'on allait s'amuser, hein, espèce de salaud! Tu es exactement comme les autres, Brad. Tu es comme mon père. T'en as rien à foutre de moi. Je voulais seulement être avec toi. Je
Jennifer Stanton a été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Elle a été jugée en tant que mineure et sera libérée à l'âge de 21 ans. Nick Ryan est toujours en prison.